Je sais que Mana travaille. Il serait déjà vu. Les députés sont en train de remplir la liste de présence. Dans quelques instants, nous allons assister à une plénière. Nous allons assister à une plénière. La lumière, ça fait le contre-jour. Je crois que c'est le tournant de l'histoire. Aujourd'hui, une nouvelle page de l'histoire du Congo est en train de s'inscrire. Vous voyez que les députés sont vraiment déterminés à ce que ça se finisse aujourd'hui. Ça va se terminer aujourd'hui. Non, on ne peut pas finir avec le gouvernement. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment du mépris aux députés. Il y a une pétition. Au lieu qu'ils acceptent qu'elle se passe dans les règles, ils ont voulu utiliser des raccourcis malheureux et ridicules. En tournant à bourrique les députés qui ont signé. Et vous comprenez aujourd'hui avec la pièce qu'il y a, que les députés ont décidé de prendre les choses à main. Eux-mêmes. Vous êtes un des signataires. Est-ce qu'on peut avoir le nom des députés qui ont signé? Il y a six pétitions qui ont été adressées aux membres. La pétition de Mouana, puisqu'il est membre de l'opposition, il y a beaucoup de députés qui n'ont pas voulu la signer. Elle a obtenu 248 signatures. La pétition de Mabunda, 251 signatures. La pétition du rapporteur, 272 signatures. Donc les pétitions, chaque pétition, c'est une pétition individuelle, elle a les nombres, elle n'a pas le nombre égal des pétitionnaires. Deux choses. D'abord, à partir d'aujourd'hui, le FCC, qui s'est toujours vanté à avoir la majorité, c'est terminé. Il n'y en a plus. Le bureau doit partir. Les trois, les chefs de l'État doivent prendre en compte la dynamique actuelle à l'Assemblée nationale pour pouvoir réqualifier la majorité au Parlement. D'accord, merci. Honorable, le FCC. Pardon. Je crois que c'est dans un cadre purement procédural. Je crois que comme vous le savez, il y a eu convocation d'une plénière. Laquelle convocation a été faite par le secrétaire général, raison pour laquelle nous sommes venus nous retrouver ici pour poursuivre le travail qui devait se faire. Le SG, il est porté, disparu, mais la convocation existe, elle persiste. La convocation n'a pas disparu. La convocation de cette plénière n'a pas été suspendue. Voilà ce qui explique notre présence ici. Et c'est une continuité de la pétition qui a été initiée par notre collègue. Comme vous le savez, le bureau qui n'a pas voulu au départ réceptionner les pétitions qui ont été initiées par notre collègue Maimbo. Et au vu de tout ce qu'on s'est fait voir comme des autres, je crois que nous avons eu emprunté le chemin, un chemin qui est purement réglementaire, un chemin qui est reconnu par le règlement d'ordre intérieur qui nous régit en matière de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Honorable, est-ce que les conclusions... Ici, nous ne sommes même pas encore au niveau de l'installation du bureau.
crois, comme vous le savez, nous sommes au niveau du constat de voir qui est le doyen d'âge. Et en cas d'absence du doyen d'âge, on comprend la personne, le collègue qui vient juste après le doyen d'âge. Merci. Donc voilà, nous sommes un peu dans un cadre purement procédural. Et pour le reste, je crois que vous serez bien édifiés. C'est moi qui vous remercie. Absolument. Merci. Et voilà, chers amis téléspectateurs, dans quelques instants, nous allons vivre ensemble avec vous un instant. Rôle du secrétaire général et d'Ali Yako Tangé la Bisso Bélé pour la Kisabisso Nani Azali Doyen Nani Badaïva Benjamin. Or, ma député Bango Mango Baye Baki déjà Nani Azali Doyen parmi Bango. À partir de ce moment-là, je crois que Makamboya la secrétaire générale est signée. Du coup, Aline Makamboya député va s'assumer en tant que tel. Situation qu'on devait connaître, on a dit situation inédite. Parce que ma représentant, il y a peuple, ma députée, ma monité, mon réseau qui est malade. Ma salle de lecture, on a mon conseil, on a mon lobby, Toyo qui est la peuple. Alors que moto sur le plan social est un copain. Le tolobi est singeli, ton mec a voté la dernière tout ça la macamo. Autrement, mon père a voté la macamo. Autrement, c'est même pas dans un bureau et dans une bonne foi. Bureau et dans un ici, ils allient pour afficher mauvaise foi. Na macamo Italie, la loi. Na macamo Italie, contrôle parlementaire. Macamo d'autres éléments. Bah, initiative y'a bah député. Ils allent dans la loi. Ils allent là-bas. Contrôle parlementaire, parce que on a un tiroir. Tout le monde a défendre l'intérêt du peuple. Bongo, mon bec, il y a un assemblée. Parce que si on est là, on va dire ce qui m'a au temps pour la terre. Et que le peuple a une confiance dans l'assemblée nationale. Tout ça, bon. Et Sengeli, tout le monde a un camba. Tout le monde a un basoussou. Au-delà de qui on a intérêt à peuple. Est-ce que nous avons un quorum? Nous avons un quorum, nous avons toujours un quorum, un quorum de siège. Il faut toujours un quorum de siège. Ce quorum de siège est simple, il est tout bien. Il y a un moment où nous avons un quorum de siège. Merci beaucoup. On a rappelé tes pétitions et tes signes qui. Du Seigneur Sotosignaki, toutes tendances confondues, c'est une première. Les alliés, on commence à. C'est-à-dire que, pour qu'il y ait au-delà de ma clivage, au-delà de ma mimomatologie, intérêt à peuple d'abord. Et puis, le signal qui tue de 264 personnes. Mais ma sous-son, ma signal qui tue, ma zépe n'a ça. Bah, mon père va dire non, tu y es qui beaucoup d'avocats, tu y es pour te défendre l'intérêt général. Dans le sang, l'avocat a bisauté, jusqu'au bout, parce que vous avez déterminé qu'on a sauvé l'intérêt général. Maton, on aura peuple là. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Ce que je peux ajouter, c'est que d'abord, tout a été dit. Je ne vois pas, mais juste. Préciser que l'institution Assemblée nationale n'appartient pas à un individu. L'institution Assemblée nationale est réglementée par des dispositions particulières du règlement intérieur. Et ces dispositions doivent être suivies scrupuleusement. Nous, nous sommes des législateurs. Si nous, nous nous comportons comme les premiers violateurs de ces textes, là alors, on ne servirait à rien. C'est pourquoi nous estimons que, et vous avez suivi, que le précurseur de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est un certain point là qui a saisi le Conseil d'État contre ce bureau, justement, parce qu'il a violé l'une des dispositions pertinentes de ce règlement qui lui impose justement le devoir de présenter en plénière les rapports financiers de la gestion de l'Assemblée nationale. Voilà la conséquence qui est en train de continuer maintenant. Et vous imaginez, on ne peut pas imaginer qu'un député, président de l'Assemblée nationale soit-elle, qu'elle se permette de rendre inaccessible l'administration. L'administration est publique. On ferme les services préposés aux courriers. C'est anormal. Et c'est pourquoi les députés ont dit que trop c'est trop. Les signataires de la pétition, comme tous ceux qui adhèrent à cette initiative, disent qu'en tout cas, il faut que nous allions de l'avant. C'est comme ça, nous sommes là. Les doyens sont là, les Benjamins également sont là et nous allons procéder. Nous attendons que le quorum soit atteint.
Et tout à l'heure, on a eu l'information, on vous informe que le secrétaire général est suspendu. Comment ça va procéder? On ne peut pas aller d'irrégularité en irrégularité. Un secrétaire général ne peut pas être suspendu comme ça ad nutum. Il faut ouvrir d'abord une action disciplinaire. On n'a jamais ouvert une action disciplinaire contre lui. On n'a pas appris qu'on lui a collé une demande d'explication. Et du coup, une suspension, non, ça ne se fait pas dans l'administration. Sauf peut-être au Gondwana. Nous ne sommes pas au Gondwana. Il faut qu'on le fasse suivant les règles de l'art. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Vous voyez comment la peur a changé de camp. On fait un communiqué comme quoi on suspend toutes les activités. Il y a un contre-communiqué comme quoi il faut venir à 10h. Et vous voyez qu'ils ont perdu des pédales. Le peuple va récupérer sa souveraineté. Et nous sommes partie prenante dans cette initiative. Nous ne pouvons pas reculer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons notre direct. Monsieur sur place, il y a des nationaux déjà. Non, je fais le tour. C'est elle.